nous avons découvert ici un peu paisible, un peuple attaché à sa culture. Et la démonstration a été faite ce matin, les commentaires ont été faits par l'ambassadeur Éric Courtois, du symbole de la cohésion, de l'union pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais le symbole de cohésion qui conduit à un travail efficace, qui conduit au succès. Nous avons vu donc la pirogue de la génération arriver avec des jeunes gens qui étaient en train de pagayer en chœur, en symbiose, en synchronie, pour qu'ils puissent arriver ensemble, pour dire que s'il y en a deux ou trois qui faiblissent, eux tous se noient, et ça n'a pas été le cas. Nous les avons vus arriver avec succès, avec de belles couleurs, dans la splendeur, avec sourire, et nous les avons applaudis. Et nous avons compris que ici, votre peuple s'appuie sur le renforcement de la cohésion, sur le renforcement de l'union, de l'unité, pour retrouver son identité, pour retrouver sa gloire, pour retrouver sa place dans Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire, à la recherche d'une plus forte cohésion. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous appelle toujours à la réconciliation et à une forte cohésion. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons aujourd'hui un ministère de la solidarité, de la cohésion sociale. Je voudrais donc saluer la grandeur du peuple de Bétibé et leur dire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'aux côtés de vos enfants, aux côtés du président de la région, nous porterons votre message. Sa Majesté m'en a confié déjà un peu avant et encore aujourd'hui, je voudrais dire que cela a été bien noté. Le président de la République a pris note d'un certain nombre de préoccupations du peuple Bétibé, du département d'Adiaké, de la sous-préfecture de Turboué et de l'ensemble de votre population. Et je suis convaincu que le président Ouattara, qui fait toujours ce qu'il promet, fera ce que vous attendez de lui. Et je voudrais vous en donner l'assurance. C'est ce message que mon grand frère Aka Willy, nous continuerons de renforcer, de rappeler pour que le retour qui vous sera fait soit un retour juste. Je voudrais à mon tour vous demander de continuer à prier pour nous, de continuer à prier pour le succès dans les missions qui nous sont confiées, de continuer à prier pour que nous soyons toujours guidés par la sagesse, parce que la sagesse est le départ de tout, de toutes les grandes actions. Et en venant ici, nous venons tendre, saisir la main de fraternité que vous nous avez tendue et vous promettre de rester partout. Un ambassadeur du peuple Bétibé, un ambassadeur du Sud Komoué, et nous ferons en sorte que dans cette mission, nous puissions réussir ensemble. Je voudrais féliciter le commissariat général et leur dire que nous avons été là aujourd'hui. Si Dieu permet que demain nous soyons ensemble, nous continuerons pour que la culture Bétibé trouve son socle ici et attire la Côte d'Ivoire et le monde entier. Bonne fête à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que nous nous retrouvions dans le bonheur. Merci beaucoup.